Prière de repentance. Dieu Père de miséricorde, au nom de ton Église en Alsace, nous tes serviteurs, nous venons vers toi, le cœur plein de honte et de colère, des évêques, des prêtres, des religieux, des religieuses et des laïcs. Dans notre diocèse et ailleurs, ont commis en connaissance de cause des crimes de violence sexuelle contre des enfants innocents qui leur étaient confiés. Des pasteurs en responsabilité ont délibérément manqué gravement de lucidité, de courage et de justice pour dénoncer ces actes abominables. Ils ont aggravé les souffrances dans leur chair et dans leur cœur. Des enfants qui ont subi de tels actes et ont permis que d'autres enfants soient exposés aux mêmes abominations. Par le cœur et les plaies du Christ Jésus qui a subi la passion de la croix, donne-nous de reconnaître vraiment les souffrances qui marquent à jamais le corps et le cœur de ses frères et de ses sœurs, victimes de crimes sexuels dans leur enfance, au sein de ton Église en Alsace. Donne-nous de reconnaître les souffrances de leur entourage, en particulier les souffrances des parents trahis par des hommes d'Église en qui ils avaient mis leur confiance, en leur confiant leurs enfants. Donne-nous de trouver dans la volonté de la vérité et le désir de la justice des chemins de repentance et de réparation qui les aideront à avancer dans leur vie d'homme et de femme meurtrie. Par le cœur et les plaies du Christ Jésus, qui a versé son sang pour nous sauver des ténèbres du péché, nous confions à ta justice et à ta miséricorde les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses et les laïcs, qui dans l'exercice de leur ministère pour ton Église, ont si gravement martyrisé ces enfants qui sont les tiens, que ceux qui sont encore sur cette terre vivent dans un repentir sincère, qu'ils implorent ton pardon, toi notre Père, ainsi qu'à ceux et celles dont ils ont brisé la vie par leur vice, qu'ils s'engagent à réparer par une vie de pénitence le mal qu'ils ont commis. Que ceux qui sont morts contemplent l'horreur de leurs actes et cherchent en toi jugement, purification et miséricorde. Ô Dieu notre Père, envoie ton Esprit Saint sur ton Église. Donne aux prêtres et aux religieux, ainsi qu'à tous tes disciples, le désir ardent et la ferme volonté de protéger les enfants contre toutes les formes d'abus. Dieu notre Père, par l'intercession de Notre-Dame, Mère de ton Fils et notre Mère, purifie et sanctifie l'Église en profondeur, épouse de ton Fils bien-aimé, lui qui l'a aimé et s'est livré pour elle. Amen.